ces joueurs qui vont essayer de confirmer leur dernier résultat, Pierre. L'objectif est de s'imposer de nouveau pour marquer 6 points en 2 matchs. Réponse tout à l'heure. Je vous laisse découvrir la composition de cette équipe du Borussia Dortmund. Le schéma tactique retenu par l'entraîneur aujourd'hui. Un 4-5-1, semble-t-il. L'idée est surtout d'empêcher l'adversaire de passer le milieu de terrain. La composition d'équipe de la... C'est repoussé par le gardien. Ouais, bon tacle, hein. Il lui a pris le ballon. Lucas Piszczek. Kagawa. Sven Bender. Götze. Ah, il y a quand même de la qualité incontestable, hein, chez ce Mario Götze. Bon dribbleur et surtout un incroyable coup d'œil. Hein. On se souvient du but qu'il avait marqué à Moscou avec le Bayern. Et il avait résisté à 3 défenseurs et il avait marqué d'un tir croisé. Higuain. Oh, la transversale. Oh, pas de chance. Mario Götze. Il intercepte. Il est dépossédé du ballon. Higuain. Ouh, juste au-dessus. Ousmane Dembélé. Pierre-Emerick Aubameyang. Ah, la passe mal ajustée. Il récupère un ballon facile. Ouais, ça construit devant le but sans se précipiter. Kagawa. Le ballon est perdu pour tout le monde là. Ouais, touche suite à cette déviation. Sokratis. Ouais, parfait cette interception. Ouais, peut-être une situation intéressante là. La Juve, oh, il y a beaucoup à jouer sur ce contre. Le tir. Et le but, le premier but dans cette rencontre. Un ballon imparable pour le gardien. Ouais, petit filet, très dur à aller chercher. Voilà, le score qui est donc ouvert, 1-0. On voit bien qu'ils ne se précipitent pas sur le but adverse, qu'ils prennent leur temps. Est-ce ce ballon qui traîne? Il prend le temps de centrer. Il n'y aura personne à la retombée de ce centre. Juan Cuadrado. Che c'è un traffico da pazzi, resto in costume sulla sabbia calda a piedi scalzi, le solite vecchiette maledicono i ragazzi che col pallone per giocare non trovano spazi, gli ombreloni giù da noi sono condomini, ci trovi parentele assurde con nuovi cugini, fai pranzo e cena con una pizza di maccheroni, leggende narrano